Things are not as bad as they seem. Oyez, oyez, une bonne semaine, et malgré le fait que cette campagne semble interminable, les récents événements donnent du courage à l'équipe actuelle, dont l'assurance semble être plus élevée que jamais. Soin de stress plus 33% pour tous les héros inactifs. Ça, c'est très bien. Parce que ça compte aussi pour mon théâtre de marionnettes. Alors faisons un peu le tri parce que là il y a tellement de trucs à vendre, non, je devrais me faire du fric. Alors ça je le revends, ça je le revends. Ça, allez, adjugé, vendu. Les deux là je le garde par contre. Parce que putain j'arrive pas à croire que sur un groupe random de monstres on ait chopé un... deux pièces de breloque, de la crissonne courte d'un aventurier, quoi. Et d'ailleurs, mine de rien, qu'on s'avère une petite collecte honnête, hein. Parce qu'on a l'étendard, on a le kit de dissection, on a la marte des exclus, on a le médaillon de la honte, le pâte de sang, la tasse de dégustation du tyran, le trésor d'enfant et l'éclat de verre. Eh, ça va! La collection est très honnête. Honnêtement, même hors stream, je pense que cette partie-là, je la continuerai juste pour avoir le succès qui consiste à avoir tous les items, quoi. Parce que c'est la première fois que je les ai aussi aisément, quoi. Ah ouais? Ah ouais, tu as vraiment devenu du mal à des FPS? Waouh. Bon, après, waouh, non. C'est vrai que les FPS, en soi... En fait, le traité FPS, c'est très bien quand ça part dans des idées bien bourrines à la Doom, ou alors si ça peut servir l'ambiance un peu comme Metro 2033, par exemple. Ah, même Darwin Project, même ça. Ah, putain. Assez chaud parce que ça c'est un... Parce que à ce niveau là, il y a des petits jeux FPS sympas qu'on loupe quoi, hein, genre les portales. Parce que les trucs comme Overage, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'en soi au final, t'as vite fait le tour. Alors je rassure, non, je n'arrêterai pas Overwatch, c'est simplement je peux comprendre qu'Overwatch n'attire pas les masses. Hein. Parce que le jeu n'est pas tellement... Il est en 30 nues, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ce qu'il y a c'est... T'as rarement tes nouveautés. T'as très très rarement de nouveaux ajouts, que ce soit au niveau de tes champions ou tes maps, quoi. Parce que je suis désolé, mais à ce niveau-là, il est très pauvre le jeu. Hein. Ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. LOL, je me rappelle à une période, t'avais 3 champions par mois, quoi. Mais sinon, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. À ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait être... Qu'est-ce qui est très sympa en ce moment en gestion stratégique? Parce que le problème de la gestion stratégique, c'est que c'est un type de jeu que, malheureusement, qui est un peu laissé à l'abandon pour le moment. Alors, t'as quelques dérivés, genre la gestion survie. Mais le dernier bien que j'ai testé de gestion survie, c'est Shelter et This War Is Mine, quoi. Ah oui, 2160 balles pour faire perdre ton alcoolisme. Tu te fais pas chier, mon salaud. Rimworld et Tom et ça bouffe le temps. Ah mais ça, c'est des jeux qui sont très voraces au niveau temps. Ça, malheureusement. Ça, c'est vrai que ça qui pourrait être sympa, par contre, c'est qu'ils nous sortent un petit gestion stratégie, mais qui demande genre une voire deux heures pour faire quelque chose, pour vraiment faire un gros avancement dans le jeu, etc. Parce que putain, les derniers j'ai testé, à chaque fois c'est minimum 5 heures de jeu si tu veux faire quelque chose de correct, quoi.
Et sinon, bah, ça a rien de commencer, tu peux même jouer un autre jeu, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Bon, alors je sais bien que certains s'est pensé comme ça, genre Fallout Shelter, mais putain, quoi. Malheureusement, il y a plein d'autres jeux dans la vie, quoi. Bah oui, mais c'est ça le problème, parce que comme tu le dis, oui, Terra Billions, même lui, il demande 3-4 heures pour faire quelque chose dessus, quoi. Et ça que je trouve ça dommage, c'est que gestion stratégie, c'est vraiment tes jeux qui te demandent vraiment un gros investissement niveau temps. Actuellement, t'as pas encore un jeu de gestion qui, en 1 heure ou 2 jeux, t'as fait quelque chose, quoi. C'est vraiment très, très bouffeur de temps. Et je crois que c'est ça aussi qui dessert un peu ce style de jeu, c'est que c'est vraiment. Très très c'est très vorace au niveau de temps libre, quoi. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que mes aventuriers sont pas ouf, j'ai pas tellement d'or. Et le problème qui se pose, c'est que j'aimerais bien pouvoir avancer dans le jeu. Et pour ça, il faudrait que je bute le vicomte. Parce que le vicomte, vous allez voir, hein, une fois qu'on l'aura buté, que j'aurai récupéré ses 25 000 pièces d'or, les autres boss, là, on va les enchaîner à la queue leu-leu. Et on va se faire. On va se mettre les couilles dans le. On va se tartiner les couilles d'or, mais. Faut le tuer, le vicomte. Dawnstar, ça je ne connais pas, je t'avouerai, mais Tizwar is Mine, ça je connais. Ah, mais Tizwar of Mine. En fait, le truc bien de ce jeu-là, c'est que comme t'as 40 000 scénarios et qu'en plus tu as l'éditeur de scénarios, ça te permet vraiment d'avoir une durée de vie énorme. Mais ouais, il est tellement mal à bord, quoi, parce que. Mais c'est ça que je dis, il faudrait vraiment qu'ils arrivent à trouver un système pour faire un jeu de gestion, mais que tu puisses faire un truc correct. Dans ta partie en 1 ou 2 heures, tu vois. Comme ça, tu as une petite heure de libre. Allez, je joue dessus. Et voilà, j'ai fait 40 bâtiments. J'ai rasé un pays à côté. Voilà, je suis content. J'ai fait un truc sur 1 heure, quoi. Alors que les jeux de gestion actuellement, c'est du minimum 4, c'est du minimum 3-4 heures. Allez, on va dire, pour faire quelque chose de correct. Pour vraiment dire que ta partie a vraiment progressé. Et ça, comme je disais, je pense que c'est ça aussi qui fait que le genre de ce genre de jeu-là, les jeux de gestion, etc., n'ont pas tellement la cote pour le moment, c'est parce que ils demandent un investissement énorme niveau temps libre, quoi. Bon, ça, et aussi que certaines maisons d'édition, les jeux sont très bons, mais ça rapporte pas de fric. Ah ben on ferme le jeu, hein, on ferme les serveurs. Hein, n'est-ce pas, Electronic Arts, ça va être ton Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 1 et 2. Bon enfoiré, quoi. Oui, je suis toujours en guerre personnelle avec Electronic Arts, hein, pour ceux qui me connaissent.
Tiens, on va tirer une belle armure, toi, parce que j'ai pas très envie que tu te fasses dessouder. Merde, j'ai pas vu combien de nourriture il m'avait donné. Donc il m'a refilé 4 de nourriture à petit radin. Sinon, ah oui mais non, t'aimes pas les FPS. Ah oui, sinon, il y en avait un qui venait en tête, j'aurais pu te conseiller. Dans le jeu gestion survie, mais bon, le problème c'est que c'est un full FPS par contre. C'est The Long Dark. Vraiment bon petit jeu sympa qui tu peux faire tes trucs déjà en une heure ou deux de jeu. Mais le problème c'est que c'est un FPS quoi. C'est un bon gros FPS un peu brut de décoffrage même. Il est bien petit ce donjon. Oh ça. Attends, il est petit comme ça le donjon. Généralement ça veut dire que les monstres ils vont être immondes. Ah super. Des vampires. Ah, si vous le loupez, en plus ça va être compliqué, hein. Allez, butez-moi ce gardien. Ah ben voilà. Que demander de plus? Un petit critique à 33 dans la meule. Mais ça c'est... Mais... À part The Long Dark... Ouais non, vraiment je n'arrive pas à trouver un bon jeu de gestion qui n'est pas bouffeur de temps. J'aimerais bien en trouver un te dire ah ça tu peux le faire mais... Bref, je suis même pas sûr que ça existe quoi. Ah oui mais non. Je crois qu'ils ont un souci avec mes médecins de peste là. Depuis que j'ai été chez le vicomte, il est focus mais méchamment quoi. Decisive pummeling. Ah bah c'est bien, il est mort, quoi qu'il arrive au prochain. Obliterated. Ah oui d'accord, cavalier, il est beaucoup en forme là. Un crit, mais bon, ça va. Il a 2 crits d'affilée. Je suis déjà très content de sa performance. Allez, on va essayer de gratter tes PV parce que là, ils sont morts à leur prochain tour. The slow death, unforeseen, unforgiving. Voilà, ça c'est fait. A trifling victory. But a victory nonetheless. Et on a récupéré une invitation dont je m'en lave un peu les mains maintenant parce qu'on en a quand même encore 16 en réserve et je pense pas qu'on aura besoin de cramer tout pour tuer le vicomte mais... Glittering gold, bon. Trinkets and baubles, paid for in blood. C'est comme l'argent, ça, il vaut mieux ça dans ma poche que ça traîne par terre comme on dit hein. Ah.
Vas-y, fais-moi tes crits dans la bouche, j'aime ça. Ouais, bah vas-y, Widina, nourris ta belle progéniture, ne t'en fais pas. Je m'en voudrais qu'il meure de faim. Va se calmer. Foutu moustique. Oh là là, mais ce harcèlement sur les médecins de peste. Teetering on the brink, facing the abyss. D'accord. Slowly, gently. This is how a life is taken. Voilà, on a calmé Bill Moustique, hein, parce que. Il tape comme une vache. On va virer l'obénite pour ramasser le Nyx pour avoir un peu plus d'argent en fin de ce donjon parce que. On va encore avoir tes soucis de pognon. Ah, par contre, ça c'est bien, ça va donner de la bouffe. Et avec la bouffe, on va les soigner. Nam 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 nam. La bonne nourriture trouvée dans une charrette remplie de cadavres. C'est divin. Je recommande à tous d'essayer, vous allez voir, vous allez vivre très vieux comme ça. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Ils ont encore faim? Je vais les nourrir. In radiance, may we find victory. Oh non. Ils ont un centaure porcin. Un peu parié. Continue the onslaught. Destroy. Allez, vas-y, fais-moi mal. Voilà, 11 dans ma figure. Je n'ai plus très faim. Sedated.
confidence surges as the enemy crumbles. Voilà, comme ça, il ne va pas pouvoir faire sa charge de sanglier. Heureusement, cette unité-là, ce qui est avantageux avec elle, c'est que si elle n'a pas... si elle ne peut pas céder à la 2ème, 3ème, 4ème zone, via un allié à elle, il fait pas trop mal. Au moins, il peut pas faire sa charge. Les dégâts de ça, c'est assez indécent quand même. Impressive. Et en plus, là, c'est pas du tout géré son champion Porcitor. Quand il est dans cette position là, ce qui est très bien. Et on espère qu'ils ne changeront jamais son code lors d'un prochain patch pour la rendre plus intelligente. Je pense que cette unité là, avec un brin de plus de cervelle, elle pourrait être casse au pied. Alors on va redescendre pour rechoper ça et ça, ça, ça. Avec un peu de chance, ça fera un peu plus de pognon. Alors oui, je voulais du fric en fait, hein, mais... Après avoir de quoi finir mon compte de cartographe, je vais pas m'en plaindre. Donc ça, j'ai plus de chances de repérage, de trouver tes salles secrètes et donc de trouver pour 9000 balles. Nom 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 nom. Ouais, alors Zamindar, j'aurais pu faire la curiosité là en fait. J'ai été con. Ah super, je me suis cassé le cul pour une torche, merveilleux. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Non, en plus, j'aimerais bien voir la gueule des aventuriers, quoi. Putain, on va explorer tout, on va trouver... Je suis sûr qu'en espérant ce donjon au risque de notre vie, on va trouver tes putains de trésors de ouf. Ils y vont, bim, une torche. Tes bouquins pourris. As the light gains purchase, bon, tant pis pour cette curiosité là, on aura tenté. Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Hémophilie, les bêtes. Attendez, coagulation, résistance au saignement plus 15%. Visée faillée, critiquement 1%. On s'en remettra. Cupidité, frénésie de l'argent, à remplacer l'hygrophobie, ok. Photomanie, dégâts de stress moins 20%. Ces torches à plus de 75%. Parfait. Cible les bêtes, plus 10 de précision contre les bêtes, plus 3% de critique. Cool. Hémophilie, résistance au saignement moins 50%. Ouais, bon, on va le soigner de ça, hein. Trouble yourself not with the cost of this crusade. Its noble end affords you broad tolerance in your choice of means. Ah, et on va faire le compte de cartographe. Tac. Et c'est parti. Compte de cartographe, 5000 balles. Allez. Voilà,
Prochain objectif, la banque. Alors oui, ça va être chiant, ça va être long de faire la banque, ça va coûter très cher en argent, mais en attendant, quand on va la voir et qu'elle va commencer à faire des bénéfices de 5% sur notre pognon, on va être très content de la voir, cette banque. Je crois que c'est la première fois qu'on entendra ça dans ma vie, quoi. Je suis très heureux d'avoir une banque. Ah, le problème c'est que tous mes flagelleurs font la gueule. Ah c'est dommage qu'il était devenu alcoolique, j'aurais pu le faire soigner. Casse-couille. Il y a encore 2340 balles qui partent. Ça va faire soigner, allez, 1100 balles, allez. J'aime voir mon argent foutre le camp par les fenêtres. Je préfère ce donjon là pour histoire de monter ma recherche dans les ruines. Choper ça, les 5 portraits, mine de rien pour 50 à obtenir c'est pas mal. Et les 9000 balles. Ou alors je fais un peu progresser mes petits levels en fait. C'est une idée. Comme ça, ça donne le temps à lui de perdre tout son stress. Et on peut à nouveau avancer chez le vicomte. Et en plus, on fait un peu avancer la recherche dans le Wild. Ce sera très léger, mais ce sera mieux que rien. Ah mais oui, si je con, faudrait que je récupère les breloques.
il faut vraiment que je bute très vite le vicomte, ne serait-ce qu'à cause de ça, quoi. Ma ville consomme beaucoup trop de sang, j'ai beaucoup trop de vampires dans ma ville. Et même avec la ferme de sang, je n'arrive pas à mortir, quoi. Résultat des courses, si ça continue à ce rythme là, ils vont crever de faim. Littéralement parlant. Et ça ne serait pas très bon pour moi et mon objectif de finir le jeu. Ah, mais regardez ça quoi, lumière radieuse, butin, plus de butin, plus en esquive, plus 3 en repérage, plus 5 contre les poivres, je vais surprendre les monstres. C'est tellement bénef là, le contrôle de la cartographe. Alors le plus de ténèbres, hein, évidemment, c'est la lumière. Hein. The fiend falls, a faint hope blossoms. The match is struck. A blazing star is born. Lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. In Radiance, may we find victory. A powerful blow. Confidence surges as the enemy crumbles. Ça soigne méchamment.
success so clearly in view? Or is it merely a trick of the light? Packs laden with loot are often low on supplies. A fortune waiting to be spent. The light, the promise of safety. Be gone, fiend. Another abomination cleansed from our lands. On leur pisse dessus. Mount, so too will resistance. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Je serais curieux de savoir exactement à quel niveau de lumière ça commence à devenir négatif, les effets que ça apporte. Mais Watch your step. Regarde où tu mets tes pieds, petite conne. Ouais, je crois que c'est vraiment quand tu descends dans le palier, t'es 75% en fait. D'où le fait de c'est partagé en 4 segments. Juste con. Ah voilà. Ouais, donc c'était je veux sur un palier quoi. As the light gains purchase, spirits are lifted. J'en étais, je le savais clear. Quasiment, mais je voulais en être sûr en chiffres. Ça, je m'orientais toujours par rapport à ça, mais j'aime bien avoir les chiffres en tête. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Executed with impunity. Back to the pit. Another one falls. Unnerved, unbalanced. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oh merde, j'ai plus de pelle. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. C'est pas grave, au moins y'a du pognon qui rentre. Yes.
strike. Alors vous en faites pas si la caméra a légèrement tremblé, c'est normal, mon chat dort à côté de l'écran et il met des petits coups parce qu'il bouge en dormant. C'est mignon. Annihilated. Nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Oh, même au à bas level on chope tes invites tellement que l'infection est grave quoi. C'est pas si je dois en rire ou en pleurer quoi. Decimated. Ah, ça on va le prendre, ça va aider pour la banque. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive on Harrod. Vitesse moins 4, calme dans la crique, c'était hystérique. Bon, ça va, c'est gérable. Ancient and crumbling, the Abbey's masonry fares no better than the faith of its congregation. Oyez, oyez, réparation bruyante. En vérité, les éléments n'ont pas été cléments avec la vieille abbaye. La terre elle-même semble rejeter l'endroit. Les travaux devraient durer tout au long de la semaine. L'activité du cloître est fermée. Prix modifié 37, moins 50%. Prix modifié salle de pénitence, moins 50%. Cool. Alors ça, on le revend, ça fera toujours de la thune.
Oui, une invitation sur 18, oui, c'est grave. Oh putain, par contre, ma réserve de sang qui a pris bien cher dans sa gueule. Oh. Et ça n'arrête pas. Oh putain, faut vraiment que je me roule de buter le vicomte. Hein. Sinon, ça va vraiment plus aller cette histoire. Ça au moins là moi je fais des dégâts de stress. Tiens, on va un petit coup. Ah bah décidément. Excusez-moi. Ne me demandez pas comment j'arrive à éternuer en plein été alors qu'il n'y a pas de pollen chez moi. À Darkest Dungeon. Ben honnêtement, je vais être très honnête. Demain, je crois que c'est vraiment le meilleur moment pour s'y remettre parce que demain, t'as le nouveau DLC qui sort. Alors il va coûter sans doute entre 10 et 20 balles. Donc, qui va ajouter une nouvelle zone, 3 nouveaux boss, 2 nouveaux bâtiments à construire et une vingtaine de nouveaux items. Et en plus, t'auras la classe du mousquetaire à nouveau jouable qui serait gratuite, elle en plus à télécharger. Donc, vraiment, je trouve que ça va vraiment relancer le truc. Moi, j'avais eu tellement du mal à piger réellement comment ça fonctionne. Ah, bah, ça, si tu veux, n'hésite pas à poser tes questions, je peux t'expliquer. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Alors, attends, je regarde un peu. Ma petite. Bah non, 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 le chat, tu ne fais pas comme tout à l'heure, tu n'appuies pas sur le téléphone portable, sinon tu vas faire sauter le chat et c'est chiant. Merci bien. Tac, tac, tac. Bon, ça va, on est à la moitié du chemin, c'est déjà pas mal. Que ça, je dois avouer que le jeu demande vraiment un gros temps d'adaptation, le temps de comprendre toutes les mécaniques. Mais sinon, comme je te disais, n'hésite pas à poser tes questions, hein. Je veux bien répondre à toutes les questions concernant le jeu pour t'aider s'il faut, ne t'inquiète pas. Aïe! Le stress là, je m'en serais bien passé. Merci le moustique.
slow death. Unforeseen. Ah, 59 de stress déjà. C'est un brin problématique. Great is the weapon that cuts on its own. Slowly, gently. This is how a life is taken. Oh, ça c'est bien ça. Beaucoup de pognon. Parce qu'après, franchement, le jeu il est vraiment génial quoi. Le seul truc que je trouve un peu dommage, mais bon, après ça c'est un goût personnel, c'est que le jeu il essaie de te vendre une bonne ambiance un peu Lovecraftienne, Dark Fantasy. Mais le problème c'est que le jeu est tellement pensé en mécanique de jeu, dans tes mécaniques de jeu de rôle papier classique, donc Donjons et Dragons, etc. Hein, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que tu ne vois même plus. Oh oui, ah ça c'est bien ça. Là je vais pouvoir faire un feu de camp. Soigner son stress. Now it must be carried home. Et donc pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc comme j'expliquais, c'est que le jeu il veut vraiment te mettre dans une ambiance et tout. Mais le problème c'est que comme tu ne vois tout que comme une mécanique de jeu de rôle papier classique, c'est qu'au bout d'un moment tu ne vois plus que tes chiffres, tes lettres et tes scores en fait. Et donc l'ambiance tombe totalement à l'eau et ça c'est dommage. Voilà, on récupère de la santé mentale. Alors on va faire un petit sanctuaire pour pas se faire attaquer. On va l'encourager bien comme il faut pour lui. Voilà, on lui redonne du moral. C'est très important d'avoir le moral. Hein. Et on va faire une petite prière pour donner des protections à tout le monde et récupérer de la santé mentale. Voilà. Là, on est bien. Là, on va avancer encore un peu dans le donjon. Parce que là, si je suis bien mon plan, bon. L'idée, ça serait d'atteindre la porte jaune. De la porte jaune, au moins choper la clé rouge. Comme ça, on pourrait faire le baron, enfin le vicomte, en un au second try. Bon, ça va être compliqué quand même, hein, je vous l'avoue. Parce que le problème, c'est que la santé mentale se prend cher, mais à une vitesse folle, je sais pas pourquoi. Enfin, si, elle, je sais pourquoi, c'est à cause de la tête de Junia, mais. Pour les autres, c'est quand même chaud patate. Ah mais parfait ça! Allez! Voilà, on récupère toute la santé mentale, c'est très bien. Ah, encore un feu de camp. Oh, et ça par contre, ça c'est très bien, parce que ça... on va peut-être pouvoir faire un très très beau trail là. Alors, ah évidemment, la feuille est à l'envers, sinon ce n'est pas drôle. Tac, donc il faut que je prenne la petite porte. Tac, 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 ok. Oh! Ah, bien ça! On va débloquer un héros level max là, je pense. Oh, ça, ça fait plaisir. Oh putain de merde! Oh là là! Oh, ça, par contre, ça va être violent ce combat. Parce que les deux monsieur, le chevalier. Oh, ça va piquer! Ça va beaucoup, beaucoup piquer. Oh.
Ah, évidemment, il fallait qu'il y en ait un qui encaisse. Oh, ça va être compliqué. Donc, en fait, j'explique. Le chevalier, il faut absolument que je le tue avant qu'il ait le temps de mettre son DPS. Merci, mon grand. Et les messieurs, en fait, eux, ils vont faire du DPS monstre s'ils se transforment. Ça, c'est pas bien, ma fille. Quoi ? Petit con. Oh ! Oh, ça fait plaisir. Allez, un petit casseur de côte. Non, mais vous pouvez arrêter de bourriner un moment, hein. A dizzying blow to body and brain. And now the true test. Hold fast or expire. Bon, heureusement, leur casseur de côte ne passe pas. The wounds of war can be healed. Oh la vache, mais ils font tellement mal. The will to fight falters. Bon, heureusement, le petit moustique n'a pas eu le temps de faire beaucoup de dégâts sur ma santé mentale. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ah, il se transforme pas là. Ah, pas de soucis, Widina. Bah, comme je t'expliquais, vieux, à ton dernier message, donc tu expliquais que tu aimerais bien le reprendre, mais que tu avais du mal à piger réellement comment ça fonctionnait. Je te disais que si tu avais tes questions, n'hésite surtout pas à les poser, même en plein stream et autres. Hein, je répondrai à toutes tes questions, tout son nom de jeu, si ça peut t'aider. Oh, il va se transformer lui. Voilà, transforme-toi mon salaud. Vilain moustique. Continue the onslaught. Destroy them. Ah, il était violent ce groupe de vampires, hein. Que les deux monsieur et le chevalier en même temps, c'est très très violent tout cela. C'est même pas très urbain. Oh merde. Bon, alors eux c'est pas dangereux parce qu'ils ont pas énormément de DPS, mais niveau santé mentale ils peuvent faire très mal. Genre comme ça. Voilà. Allez, 33 de santé mentale, allez, c'est pour moi, ça fait plaisir. Ah, et en plus, ça esquive bien, allez. Ça se transforme, c'est merveilleux, ça se passe merveilleusement bien ce combat.
Oh non. Oh ça c'est chiant parce qu'il peut protéger tout le monde quand il fait ça. Perf. Ah la santé mentale qui va exploser sur ma ma petite médecin de peste. Oh les dégâts de santé mentale. Allez, la paranoïa, merveilleux. J'ai bien vu que vous conspirez contre moi. Mais non, t'es juste parano, arrête. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Confidence surges as the enemy crumbles. Voilà, un peu d'anti-moustique, voilà. Give them no quarter. Alors lui, son hachoir, je vais lui mettre rouge, je pense. Mais on le dira pas haut parce que bon, ça serait dommage d'être grossier avec les enfants de Ludina qui regardent peut-être. On va peut-être éviter. Ah, ça je prends la pelle. Tiens, d'ailleurs, Widina, maintenant que j'y pense, je voulais ton avis sur un jeu qui a été annoncé à l'E3. Et je sais pas trop quoi en penser parce que moi, je lui donnerais sa chance quand même. C'est le Fallout 76. Je sais pas trop. Moi, je sais pas. L'idée qu'il soit en coop, ça me parle parce que je me dis, si c'est une idée qu'ils vont faire comme Fallout 1 et 2, que t'es vraiment tes spécialités. Un peu à la Shadowrun niveau jeu de papier, etc. Et que donc, que chaque membre de l'équipe doit être vraiment spécialisé hein, en informatique, en combat, en médecine, etc. Vraiment, ça pourrait être très cool, je pense. Et ça pourrait rattraper un peu le plantage que a fait Fallout 4. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Oh! Oh, pas mal. Pas mal du tout, ça. Alors, elle, on lui donne du sang. Wealth beyond measure. Oh la générosité. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Par contre, il faudra sans doute un deux trails encore pour aller tuer le vicomte, quoi, parce que je pense que ça va me demander un trail complet de récupérer la clé rouge qui est par là. De monter jusqu'à la chambre du vicomte où là on, je les enverrai en repos complet pour les, aller faire le vicomte en étant full santé mentale. Ouais, je pense que d'ici 2 à 3 trails encore, on tue le vicomte. Great adversity has a beauty. It is the fire. Donc ça va, pour ce soir, je pense qu'on va buter le vicomte et buter 2-3 autres boss parce que les boss, une fois qu'on aura tué le vicomte, on va pouvoir les enchaîner quoi. Parce que le vicomte, les 25 000 de récompenses pour la mort du vicomte vont vraiment permettre. Oh putain, t'es chiant. La mollesse, ça, je m'en serais bien passé. Les 25 000 vont vraiment pouvoir permettre... Et pardon pour la grossièreté.